S'il n'y a pas d'adhésion des usagers, il n'y a pas de smart city. Souvent, le gestionnaire smart ou le gars qui est un peu geek ou le gars qui est dans une start-up, il parle à un autre gars de la start-up. Il ne parle pas forcément à l'utilisateur final. Et on constate quand même qu'il y a parfois un gap entre ce qu'on pense que le client connaît et ce que l'utilisateur final, final connaît vraiment. Et là, je pense qu'on est parfois un peu trop geek et qu'il y a un accompagnement. Important, ça, ça relève quasi de l'éducation permanente à avoir. J'évoquais le cas de Better Street tout à l'heure, c'est ça aussi. Il faut avoir un peu de pédagogie. Alors, comment intégrer les citoyens au processus Smart City Bien Évidemment, il faut consulter avant, ça, ça a été évoqué aussi. Il faut surtout des indicateurs précis avec du zéro tâche, parce qu'il faut leur faire partager l'évolution des choses. Il faut communiquer de façon croisée, parce que les projets ne sont pas pris isolément. Il faut permettre justement le partage et l'adhésion, en ce compris sur les réseaux sociaux, en bien et en mal, et ça c'est vrai qu'il faut le gérer, et profiter d'une dynamique de massification et avoir un monitoring permanent.